Donc, vous avez demandé de parler de mon enfance et de ma famille. Et bah, en fait, pour commencer, je pourrais dire que je suis née dans une tribu, puisque je suis le 9e enfant d'une fratrie de 13, ce qui était déjà assez inhabituel en France à mon âge. Et en plus, j'ai vécu dans la vallée de Chevreuse, très très libre, sur un très vaste territoire, puisqu'en plus de notre jardin qui était assez grand, on avait accès à la forêt qui était juste limitrophe et au jardin de nos voisins qui n'avaient pas de barrière. Donc c'est une enfance un peu particulière qui a pu peut-être me rapprocher des gens que j'ai fini par étudier. D'autant que vous m'avez demandé de parler de souvenirs de jeunesse et moi dans mes souvenirs, ce que j'aimais plus que tout, c'était de grimper aux arbres et je m'installais tout en haut pour chanter, rêver, etc. Donc j'ai eu la possibilité de vivre mes premières années très 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 libres à l'extérieur essentiellement parce que je ne suis pas allée en classe avant l'âge de 6 ans. Et donc, alors, pour préciser un peu mon milieu familial, donc mon père était au départ chercheur en éthologie et il a fait sa thèse sur l'agressivité chez les abeilles. Et puis après, il s'est intéressé aux questions de pollinisation très tôt, en fait, alors que maintenant, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et il s'est orienté vers la protection de l'environnement et puis il a été très actif pour la création des parcs naturels. Il a présidé le programme UNESCO Man and Biosphère. Il a contribué à réintroduire le lynx en France. Voilà, du côté de mon père. Et ma mère, c'était donc un peu l'opposé, puisqu'elle, elle a quitté l'école très jeune et elle avait horreur de l'école. Par contre, c'était quelqu'un de très, très inventif, très créatif. Elle a eu envie d'avoir énormément d'enfants, comme vous pouvez le constater. Et on avait aussi beaucoup d'animaux, pas que des chiens, des chats et des poules, mais on a eu des hôtes improbables, des crocodiles, des singes, etc. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les arts, donc elle jouait du piano, elle chantait, elle sculptait la pierre, et puis un peu plus tard, elle s'est mise à peindre, à faire des pastels. Et parallèlement, elle travaillait énormément dans le jardin, puisque c'était une sorte de champ de ronces au départ quand j'y suis née. Je l'ai toujours vue biner, terrasser, construire des murs, percer des murs. J'ai eu la chance d'avoir un apprentissage en fait assez proche de celui qu'on peut voir par exemple dans les moyennes montagnes avec une mère qui m'a toujours associée à ses activités en nous confiant des outils même très tranchants depuis que j'étais très petite. Dans mes souvenirs de jeunesse, à part courir dehors et grimper dans les arbres, ce que j'adorais par-dessus tout, c'était écouter des histoires et lire par personne interposée, puisque ma mère faisait toujours une pause au milieu de la journée où elle nous lisait des livres, des histoires. Alors moi, j'aimais particulièrement les contes de Perrault, Andersen, Grimm. J'ai eu la tête remplie d'histoires de ce type dès ma petite enfance. Mais souvent, puisque nous étions nombreux, et c'était plutôt ma sœur âgée de 4 ans plus que moi qui décidait des choix, eh bien, elle nous lisait des choses que je ne comprenais pas. Nécessairement, enfin, il y avait beaucoup de mots qui m'échappaient et il y avait ce mystère que j'aimais beaucoup aussi, avec notamment quand elle lisait la comtesse de Ségur avec ses mots russes, etc.
Donc finalement, j'ai apprécié la littérature avant même de savoir lire, hein, grâce à elle. Et en fait, je me souviens même pas exactement à quel moment j'ai appris à lire. Ce qu'il y a, c'est qu'à 6 ans, en arrivant à l'école, je savais déjà lire. Hein. Et donc, il y avait toute cette partie qui était assez structurée. Et puis, le soir, quand on s'endormait dans le noir, ma mère nous inventait toujours des histoires à épisodes avec les mêmes héros qu'on adorait. Et je me souviens encore de certains épisodes en entier, quoi. Donc, et puis parfois, donc, quand ma mère avait d'autres occupations, du coup, c'était mon père qui nous lisait, qui nous inventait, nous racontait des histoires qu'il tirait en fait de contes traditionnels bretons, puisque lui, il avait passé son enfance en Bretagne, donc dans les années 20. Et là, c'était des histoires toujours terrifiantes, horribles, qui se passaient dans les cimetières avec le diable, l'Ankou. Et j'en ai gardé une grande peur du surnaturel, de l'obscurité. Et ça aussi, c'est quelque chose. En arrivant au Népal, je me suis aperçue que finalement, j'avais été élevée d'une façon assez proche, puisque ces groupes sur lesquels j'ai d'abord travaillé, qui ont longtemps été appelés des tribus guerrières, sont des gens mais qui n'hésitent pas à traverser des parois vertigineuses, à aller se battre s'il le faut. Mais quand la nuit vient, on les voit tous se serrer en randonnion pour se coucher, car ils ont très peur de l'obscurité et de toutes les présences surnaturelles qui surgissent alors. Donc voilà pour mon enfance. Et donc j'ai commencé ma scolarité à 6 ans dans une école primaire avec des enseignants, très vieille école. Et en fait là, j'ai fait peut-être ce qui est le plus marquant pour moi, c'était l'expérience de la violence institutionnelle. J'ai été en fait sidérée. Je ne pensais même pas qu'il existait des adultes aussi méchants. Ça s'est très peu appliqué à moi, mais il y avait beaucoup de sévices corporels, de gens auxquels on tapait sur les doigts avec des règles, que l'on mettait au coin, qu'on humiliait. Et en fait, du coup, je me suis toujours mis un peu en retrait, hein, vis-à-vis de l'institution scolaire. Alors bon, j'avais aussi ma mère qui elle-même n'avait pas aimé l'école enfant et qui avait arrêté assez vite. Et en fait, on peut dire que ça a un petit peu continué pour la période du collège. Enfin, bon, bien sûr, ce que j'ai apprécié, c'est les camarades, et puis à partir du collège, la diversité des enseignants, etc. Mais c'est vraiment qu'à partir du lycée que j'ai commencé à vraiment être attachée à certains enseignants que j'ai trouvé beaucoup plus passionnants, des professeurs de français, de philosophie et même de mathématiques. Dont j'ai pu vraiment apprécier la pédagogie et je leur suis encore, je suis redevable de l'ouverture d'esprit qu'ils m'ont apportée, notamment des professeurs de français qui, dès la seconde, en fait, nous initient un peu à la philosophie, à l'anthropologie. Et en fait, c'est à cet âge-là, à l'âge de 15 ans, que j'ai décidé que je serais anthropologue, en ayant lu juste avec le prof des extraits de Triste Tropique. Mais parce que, en fait, depuis que je suis née, je me suis toujours dit qu'il fallait que je décide ce que j'allais devenir. Et donc, au tout départ, j'étais quand même entourée par un monde où il y avait, bon, des artistes, mais aussi pas mal de savants. J'adorais l'immense bibliothèque de mon grand-oncle, où il y avait une petite porte dérobée dans les livres qui permettait d'accéder à un laboratoire. Voilà, tout ça, c'était mystérieux et fascinant. Et donc, dès l'enfance, je m'étais dit que je serais savante. Et je m'étais fait donc moi-même un petit laboratoire de biologie. Et puis, bon. En fait, l'anthropologie a commencé à me passionner à l'âge de 15 ans et j'ai eu la chance en fait d'avoir un copain du lycée qui, pour gagner de l'argent l'été,
À Gissery-Yvette travaillait dans ce qui s'appelait, je crois, le magasin du livre du CNRS. C'était un entrepôt des livres du CNRS. Et comme il savait que je m'intéressais à l'anthropologie, pour me plaire, il écornait des bouquins et qu'après, il pouvait sortir en montrant qu'ils étaient abîmés. Et il m'a entre autres offert la série je crois que ça s'appelle Les Carnets de l'Himalaya. Enfin, en tout cas, le livre qui m'a marqué parmi ceux qu'il m'a offert, c'était le gros livre de Corneille Geste sur les communautés tibétaines de langue tibétaine de Dolpo. Et c'est totalement irréfléchi, hein. C'est même presque visuel. J'ai eu un attrait très très fort pour ces personnes qu'on y voyait. Et j'ai décidé presque un peu de but en blanc que j'allais non seulement devenir anthropologue, mais spécialiste du Népal, enfin, du moins de cette région himalayenne. Et donc peut-être moi c'était un de mes atouts, c'est que j'ai pris une décision qui n'était pas rétrospective, alors qu'après dans mon parcours j'ai rencontré beaucoup de gens qui sur le tard, ayant pu voyager pour d'autres finalités, en sont venus à s'intéresser à l'anthropologie. Moi c'est un peu le contraire. Et donc, je suis allée dans la région himalayenne à l'âge de 19 ans pour la première fois. Et ça a confirmé mon choix. Bon, j'ai été aussi en Inde parce que j'étais également intéressée par la culture indienne. Donc, ça a été mon premier séjour. Donc, c'est en 80. 82. J'ai commencé donc, après ce premier séjour, immédiatement à étudier le népali aux langues orientales. Et je m'étais inscrite, juste après le bac, en fait en sociologie, puisque mes parents n'ont jamais suivi mes études. Ils m'ont toujours expliqué que c'était pour moi que j'étudiais, donc je n'ai reçu aucun conseil. Et même, j'ai le souvenir que je devais presque les poursuivre avec mon bulletin scolaire pour qu'ils acceptent de me le signer. Ça ne les intéressait pas tellement. Et c'était évidemment pour moi étonnant parce que j'avais des amis qui, même au lycée, avaient des parents qui attachaient énormément d'importance à leurs résultats scolaires. Je me souviens d'une copine qui nous a expliqué que son père accrochait ses bulletins dans le sapin de Noël quand ils étaient mauvais pour l'humilier devant toute la fratrie et toute la famille. Voilà, moi, c'était un peu l'opposé. Et c'était difficile de focaliser leur intérêt sur nos études, qu'ils considéraient notre affaire. Et du coup, je voulais faire de l'ethnologie. J'ai regardé, je ne sais plus sur quoi on regardait à l'époque. Je ne sais même pas si, oui, peut-être, il y avait déjà Minitel, des choses comme ça. Enfin, donc, très mal informée. Je me suis inscrite à la Sorbonne, pensant que j'aurais de l'ethnologie à la Sorbonne. Et en fait, je me suis retrouvée en sociologie dans le nord de Paris. Donc, ça m'a forcé à me lever très tôt, parce que j'avais 2 heures de transport pour y arriver. Mais finalement, rétrospectivement, je ne regrette pas d'avoir commencé par de la sociologie, puisque ce que je constate, c'est que dans les productions récentes, en tout cas, le côté social de l'anthropologie sociale disparaît pas mal quand même pour des formes d'anthropologie culturelle. Alors que, en fait, moi, ma formation quand même initié la partie sociale de l'anthropologie dès le départ. Donc on voit bien qu'en anthropologie, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de formation dès la sortie du lycée, beaucoup de gens viennent en ayant fait d'autres études, on va dire jusqu'à la thèse même. Et que du coup, c'est une discipline qui se nourrit de beaucoup d'influences. Donc la mienne a été celle-ci, mais on avait quand même possibilité de prendre des options d'ethnologie, et c'est pour ça qu'il y avait aussi l'inscription ethnologie sur leur cursus.
Et j'ai eu la chance pour ma part de rencontrer Alban Bensa, qui était professeur à Paris 5 et qui était donc en charge, on va dire, de la branche d'éthnologie, en tout cas pour les plus jeunes. Et donc, j'ai suivi ses cours en fait, depuis ce qu'on appelait le DEUG à l'époque. Et c'est tout de suite avec lui que j'ai fait les premiers dossiers dont je me souviens. J'ai continué en licence également sous sa direction. On devait faire une sorte de mini-terrain et je l'ai fait donc dans une région où lui-même avait travaillé avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, c'est le Perche. Et donc, il faisait parfois des stages avec les étudiants, mais en fait, les années où moi j'étais sous sa direction, on va dire, même si j'étais très jeune, il n'en faisait pas. Donc, on était bien sûr guidés par ses conseils, mais voilà, j'ai travaillé à l'époque sur un milieu tout à fait passionnant, des gens qu'on appelle les émondeurs, qui grimpent dans les arbres, justement, comme moi quand j'étais petite, et qui vont couper les houppiers avant que les bûcherons n'abattent la bille, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Et ils font ça surtout sur les chênes qui ont beaucoup de valeur, parce que si on coupait le chêne au pied avant d'avoir fait tomber la tête, il pourrait se fendre et du coup il perdrait une partie de sa valeur. Et donc c'est des gens, j'ai vraiment encore des très très bons souvenirs de ce premier terrain puisque c'est un petit peu comme des guides de montagne. C'est une activité dangereuse puisque ils peuvent recevoir le houppier en fait dans le visage. Ils sont accrochés par une corde, ils montent avec des crampons, voilà, en haut de ces arbres qui sont parfois au de 20 ou 30 mètres, puisque c'est un investissement qu'on fait que sur vraiment voilà, des chênes centenaires. Et en maîtrise, eh bien là, on pouvait choisir plus d'options d'ethnologie. Donc j'ai continué, j'ai fait mon mémoire avec Alban Bensa, toujours sur le Perche, mais là, plus sur la communauté des gens du bois et toutes les transformations qui étaient en train de se faire dans ce monde des bûcherons, avec l'arrivée des Turcs, alors que bon, la première génération, ça avait été les Italiens, enfin, toutes ces vagues de gens des métiers du bois qui se succédaient et qui n'étaient pas forcément prêt à accepter les pratiques de la nouvelle vague, en particulier les Turcs qui faisaient travailler femmes et enfants dans la forêt, et qui allaient marchander même à la pompe à essence du bled. Enfin, donc c'était plein d'histoires assez étonnantes. Mais parallèlement, on pouvait choisir des certificats d'ethnologie, c'est comme ça que je crois que ça s'appelait à l'époque. Et donc j'ai pu vraiment commencer à m'initier à l'indianisme. Je continuais en parallèle le népali, parce que je l'ai étudié donc 3 années de suite. Mais ce certificat d'études de l'Inde, je crois qu'il s'appelait comme ça, il y avait des enseignants d'abord de langue, de hindi, peut-être de sanskrit, je ne me souviens plus. Mais il y avait aussi Charlotte Vaudeville qui faisait quelque chose sur la littérature populaire. Pierre Amado qui nous parlait du Gange, des choses comme ça. Voilà, ça a été, on va dire, mon initiation dès la maîtrise au monde de l'Inde. Et donc, j'ai conservé toujours ce goût pour les espaces sauvages et la forêt en particulier. Et j'ai suivi donc un autre certificat de maîtrise au Muséum d'histoire naturelle en ethnobotanique et en ethnozoologie, qui était organisé en fait sous forme de conférence. Donc on avait rarement 2 fois le même intervenant. Enfin, parfois, il pouvait faire 2 séances, mais c'était quelque chose qui nous faisait voir comme ça une très grande variété de domaines. Et donc, qui était aussi, on va dire, un des fils conducteurs que je n'ai jamais tout à fait quitté, puisque eh bien, l'année donc du DEA, qui était en fait une année de préparation à la thèse, qui était associée à la thèse, on changeait à la fin de
de la maîtrise à l'époque, eh bien, je me souviens qu'Alban Bensa m'avait dit qu'il ne fallait pas faire sa thèse d'anthropologie à Paris 5. C'est vrai que Paris 5 avait connu son heure de gloire un petit peu avant, avec des grands africanistes comme Balandier, etc. Mais à l'époque où moi j'y étais, mais il n'y en avait plus beaucoup, ils étaient partis à la retraite. Et en plus, je ne m'intéressais pas spécialement à l'Afrique, puisque c'était peut-être dans ce domaine où il y avait encore quelques professeurs qui pouvaient suivre les étudiants. Et donc, il m'a conseillé d'aller m'inscrire à l'École des hautes études en sciences sociales. Et du coup, là, moi, je ne connaissais personne. J'ai regardé un peu qui pouvait diriger une thèse sur la région himalayenne et plus spécialement le Népal. Et donc, mon choix s'est porté tout naturellement sur Marc Gaborio, qui était directeur d'études cumulant et qui avait travaillé au Népal, en fait, les années 60. Et donc, eh bien, en fait, je ne connaissais pas beaucoup les écrits de Marc Gaborio à l'époque, mais j'avais entendu dire par une de ses étudiantes que c'était quelqu'un de très intègre, etc. Donc, bah, je me suis mis un peu à lire quand même ses écrits. J'adorais la clarté de son propos. C'est vraiment quelqu'un qui a un esprit très très organisé. Ça s'est confirmé par la suite, puisque j'ai toujours été admirative, notamment quand parfois des invités indiens qui ont une pensée un peu tarabiscotée, enfin méandreuse, et qu'au bout de 2 heures on n'avait pas bien compris quels avaient été leurs propos. En résumant en 10 minutes, Marc Gaborio refaisait tout le plan et nous clarifiait ce qu'il fallait retenir, en tout cas. Donc, je suis allée le trouver. Et en fait, à l'époque, le seul critère pour pouvoir être accepté à l'École des hautes études, ben, c'était bien sûr d'avoir un diplôme de maîtrise, mais aussi d'être accepté par un directeur et donc de lui proposer un sujet. Donc c'est vrai que ça, selon les disciplines, il y a beaucoup de différences, puisque bon, certaines disciplines, par exemple mon mari qui est en maths pure, évidemment, même en thèse, jamais on demandera à un étudiant d'élaborer lui-même son sujet, puisqu'il n'en a en fait aucune idée de ce qu'on doit faire dans ce domaine-là. Mais j'ai choisi un sujet de DEA sur l'utilisation rituelle des plantes sauvages. Et donc, ça a été accepté par Marc Gaborio et je l'ai fait donc à partir de la littérature, puisque je ne voulais pas faire de terrain avant d'avoir un très bon niveau de langue. J'ai poursuivi l'étude du népali et ça m'a permis aussi de lire toute une littérature, alors surtout en fait sur les rites hindous. Ce DEA, eh bien, je pensais le prolonger en travaillant sur ce même sujet en thèse sur le terrain. Et finalement, donc, ça a conditionné le choix du village où je me suis installée pour ma thèse. Mais je vais vous en parler quand je vais vous parler de ma thèse. Mais donc, à l'École des hautes études, à cette époque-là, Marc Gaborio, il est toujours été associé au Centre d'études de l'Inde. Et lors de mon DEA, j'ai été suivie en plus de lui qui avait bifurqué, puisque en fait, quand il m'a suivi, il ne travaillait plus du tout sur le Népal, mais sur les musulmans à Delhi au XVIIIe siècle. Donc finalement, il s'était pas mal éloigné et de l'anthropologie et du Népal. Mais justement, il était vraiment très content qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la relève de ce qu'il avait passionné pendant plusieurs années. Mais donc j'ai eu aussi la chance d'être encadrée par Marie-Louise Reinisch,
qui faisait un séminaire à l'école pratique peut-être, mais qui, enfin, qu'on pouvait valider pour, en tout cas pour le DEA, et qui le faisait en fait avec Henri Stern, qui lui était spécialiste du Rajasthan. Marie-Louise Reinisch, elle était spécialiste de l'Inde du Sud, donc c'était un petit peu plus éloigné. Mais ils ont passé beaucoup de temps à m'encadrer et à me faire faire des exposés, en fait, toute seule pour eux deux, notamment sur Homo hiérarchicus de Louis Dumont, qui a été quand même vraiment, je pense, l'ouvrage qui était le plus marquant encore à l'époque, même s'il avait été publié à la fin des années 60, 66, je crois. Il restait, il planait encore dans le centre d'études de l'Inde, sa présence, même s'il n'était plus véritablement présent, il n'était pas encore décédé, mais il y avait vraiment deux écoles, ceux qui avaient été ses élèves favoris et ceux qui s'étaient insurgés contre sa toute-puissance. Et Marc Gaborio faisait partie de la seconde catégorie. Toujours est-il que c'est vrai que lire un ouvrage aussi incroyablement bien structuré, pensé, que Homo hiérarchicus est quelque chose de tout à fait frappant pour un jeune qui débute l'anthropologie. Et bien sûr, les thèses sont très fortes, très construites. Elles étaient déjà pas mal critiquées à l'époque, notamment par les anglo-saxons, et en fait notamment en fait par tout un courant venant de l'histoire. Et donc des gens qui opposaient à ce modèle d'une hiérarchie basée sur les valeurs, cette hiérarchie du pur et de l'impur, l'idée que en fait la société de caste était plutôt concentrique autour dans ce qu'ils appelaient les petits royaumes, avec des exemples tirés en fait d'anciens petits royaumes de l'Orissa ou bien du centre de l'Inde. Et moi, j'ai gardé toutes ces thématiques en tête, et bien sûr, ce qui m'apparaissait, c'est qu'au Népal, on avait ce double intérêt d'avoir un royaume hindou. C'est-à-dire que là, on était dans du vivant, on n'avait pas besoin d'avoir recours à l'histoire pour voir précisément l'imbrication de ce pouvoir royal et de cette hiérarchie verticale basée sur la distinction du pur et de l'impur.